Réunion ce jeudi, ben le jeudi je le dis, ça en vrai, en grosse république. Oh, on m'a dit où les visions, les apparitions, je te dis, les vrais songes. J'en ai marre de vivre dans un monde de mensonges. Vous mentez tous pour de l'argent. J'étais le Georges Lucas de Feuvert. Je cherchais Dark Vador, j'y mettais des branlés. J'avais toujours le feu vert de terre. Puis pourtant, là, le voisin à côté, il m'a dit « Oh, j'ai rêvé que t'allais vivre jusqu'à 100 ans. Ah » ben, oui. Ça fait 50-50, ça fait le yin et le yang. C'est pas mal. Je lui ai dit, ça m'étonnerait avec ce que je bois et ce que je fume. Et voilà. À chaque fois que je me pose une question, il me dit « Tu es conçu pour ça. » Mon âme est en paix, je dors comme un bébé. Je me lève, je me recouche, je me lève, je me recouche. Pourquoi gagner sa vie? Je l'ai déjà. De toute façon, je suis déjà mort deux fois. Alors, le jeudi, je le dis, c'est le quatrième jour, qui est le dixième, mais qui est le treizième. Pas compliqué. Dernier film, c'était il y a 12 heures. Il y a 12h30. Mais j'ai vérifié mes peintures, ça va, elles sont toujours là, c'est bon. Il y a juste qu'ils m'avaient enlevé les affiches de l'arbre, là, mais c'est normal, ils comprennent rien tout ça. On va rassembler les monothéistes, là, pour commencer. Mais il y a aussi les bouddhistes, les tibétains. Tout a une âme, même un lapin. Tu comprends ? En route pour de nouvelles émotions. Bien entre le 35 et le 37 boulevard de Riquier, qui sera un grand lieu de pèlerinage. Ainsi soit-il. Moi, je vois bien Patrice, gouverneur de planète. Moi, je veux rester peinant. Et lui, comme il aime la politique et tout ça, s'est déjà présenté à plein d'élections. Il est brillant. Il peut très bien faire ça. À la limite, l'UDAF, ce serait la... Ce serait le TPU. Ce serait clair, la chef. Là, je reprendrai un peu le feu vert. Comme il y a Ève, je voulais me marier avec elle. On a pleuré tous les deux. Elle m'avait dit « Oh ben non, pas toi dans l'ascenseur. » Si c'est comme ça, je vais aller me marier au bled. Mais je me suis... J'ai tout laissé là-bas. Chaque fois que je revenais, j'avais plus rien, j'étais dépouillé. J'ai laissé ma guitare, ma caméra, tout. J'avais plus de sous. D'ailleurs, j'en dois à tout le monde aussi, sur ce coup-là. Mais voilà. Oui, en direct de Nouvelles Émotions, BST du CGT, c'était pour le plat du jour de la tête encore. Le réveil des chaudrons dans le sommeiller de l'esprit. C'est compliqué, hein. Si on expliquait aux enfants c'est quoi le sens de la vie, ce serait bien sur la planète, si on partageait un peu avec tout le monde le savoir, la culture, là, là. Pas pour de l'argent. On ne vend pas son âme, enfin. Alors, Luc Besson en tong. Spielberg, on sait pas. Je sais pas, ils leur mettent déjà des électrodes sur la tête. Les films, c'est des rêves. En tout cas, moi, j'en ai fait deux boules. Pour expliquer l'ADN de l'esprit. T'as l'ADN du sang, ça c'est la ligne droite. Dans l'autre sens, t'as l'ADN de l'esprit. Bah, du coup, comme j'ai une grande famille, c'est incroyable. Pour l'instant, vous pouvez pas comprendre, mais ça va pas tarder. C'est quand même crise de Nice. Ok, je bois, je fume.
Mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps. Peut-être le plus dangereux, c'est les gens complètement clean. Je crois qu'ils ont tout compris. Ils ressentent rien. Ils ressentent pas les trucs que tu peux ressentir quand t'as bu ou quand t'as fumé. Parce que ça fait une accélération, une distorsion dans l'espace-temps. On est tous un espace-temps. Quand t'es bourré, c'est sûr, t'es en mode plongeur. T'es en mode cosmonaute. Au moins, tu ressens des trucs que tu peux pas ressentir quand t'es clean. Centre d'addictologie, ouais, c'est super. Mais si les mecs, ils boivent pas et qu'ils fument pas, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est des programmes. Mais y a pas d'âme dans le programme. Enfin, y en a quand non, parce qu'ils sont sympas. Donc, c'est sympa. Mais toujours, ça tourne sur les même pas 10% du cerveau. Enfin, je sais pas comment dire ça, bon. 90% du cerveau qui vous sert à rien. Tu peux demander à Einstein, tu peux demander à qui tu veux. Et voilà, envoyé spatial porte éternelle. Ce jeudi 4 de l'an 0, 4-1. En fait, c'est le 10. Mais en fait, c'est le 13. Ça fait 13 jours, 6 mois et 13 jours que tu es chef de total. Et 49 ans. C'est le saut des 7, c'est Yvan Panin. Ton esprit, il faut le faire monter. Faut pas écouter ce qui est la télé. Ça va être interdit, la télé. C'est comme ça que ça marche. Tiens.